Depuis tout petit, je rêve de faire une fois un grand rallye. Vous faites quoi 40 minutes du départ? On réalise pas tout à fait, je crois. Ouais. On est content, ouais, c'est. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, quoi. On dit qu'on a de la chance. Ouais, voilà. Un peu nerveux. Un peu nerveux aussi, ouais. Boum, 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 boum. Quand le cœur fait boum, boum, le corps frissonne et l'émotion nous envahit. De ces premiers frissons, comme pour les premières amours, il ne restera que le souvenir d'une substance qui ne s'explique pas, elle se vit. Elle se vit au sud du Portugal, dans l'ouest de la péninsule ibérique, en bordure de l'océan Atlantique. Et pour la première fois en 4 années d'existence, le BN Jacadi Trophy s'exporte et découvre après plus d'un millénaire une plateforme essentielle des échanges culturels d'alors, l'Algarve. Bien avant les Jacadiens, d'autres aventuriers ont foulé ces terres méridionales. Phéniciens, Carthaginois, Grecs et Visigoths y ont laissé des traces et des souvenirs. Mais cette jeunesse, insouciante et néanmoins responsable, foule une terre inconnue au volant de mini-jeep ou au guidon de Yamaha tout-terrain. Ils sont 45, retenus à l'issue de tests relevant d'une aptitude physique et psychologique sans la moindre faille. Et ce, sur plus de 15 000 candidats, ils apprennent à conduire, à se conduire. Et vous venez à pied reconnaître le terrain, un passage très délicat. C'est là qu'il va falloir passer. Il faut que les motos passent ici, là. Là où il y a mon pied. D'accord ? Tout ça, ça se fait au pas, tout doucement, en première, avec le pied sur le frein. On accompagne la voiture. Mais je veux que les autos passent propres. En fait, le franchissement découle d'une alchimie alliant sagesse et équilibre. Et à cet âge-là, de 7 à 13 ans, l'on perçoit rapidement les avantages de la solidarité. 3 jeunes Portugais, 4 Belges, 4 Autrichiens et 34 Français évoluent sur des terrains cassants, voire même inquiétants, dans une ambiance polyglotte. Ils effectuent 360 km de pistes parsemées de pièges en seulement 6 jours. Le but recherché et obtenu consiste en une maîtrise de soi, une pédagogie de laquelle se dégage un sens d'initiative et de responsabilité. Durant notre plus tendre enfance, nous avions tendance à grossir les traits, exagérer les situations et vivre notre vie en cinémascope. Dans cette épreuve nouvelle, les Jacadiens ont probablement le sentiment de franchir le Rubicon à la tête de toute une armée. S'il n'en est rien, cette expérience menée à l'échelle de leur âge tendre, sans qu'elle soit périlleuse, relève tout de même de l'exploit. Pour ce faire, ils sont encadrés de quelques ténors du sport automobile, de quelques palmarès sans valeur ajoutée. Jean-Pierre Beltoise, Philippe Streff et Georges Groine ont sillonné la planète un volant entre les mains et leurs conseils valent bien une messe. Mais l'heure est venue de se mettre à table, après l'effort, le réconfort.
très bien passé, il a fait un peu froid, mais ça allait, c'était assez humide quand même. Mais on a tous bien dormi. On avait eu assez de sommeil pour entamer une dure journée. Surtout que là, c'est la deuxième étape la plus longue. On va entamer des longues montées où on va devoir aider les pilotes de voiture, car il y a des dures montées, on devra les aider à pousser les voitures et à caler les roues si elles redescendent. Mais ne cherchez pas dans vos commerces ces mini-jeeps, elles ne sont pas à vendre. Ces véhicules ne sont pas des jouets non plus, ce sont des prototypes construits à l'unité et représentant la légendaire Jeep à l'échelle 2/3. Un poids de 350 kg, une puissance de 11 chevaux, une vitesse de 60 km/h. Ces véhicules tout-terrain sont équipés d'une traction intégrale et un moteur 4 temps de 350 cm3. Une boîte de vitesse à 4 rapports permet à leur conducteur d'assimiler les premiers réflexes de la conduite et c'est assurément un plus pour leur avenir et la sécurité routière. Ces Jeeps ont aussi pour nom « voiture de la liberté ». On a beaucoup roulé, c'était une dure journée, elle était longue, on a fait beaucoup de kilomètres et il y avait quand même beaucoup d'épreuves, une dure montée, elle était assez longue et la voiture avait du mal. Les petites motos sont des Yamaha Piwi de 80 cm3. Ces machines révèlent également une véritable formation pour l'avenir de leurs pilotes. La presse portugaise, belge et autrichienne, curieuse de découvrir cette épreuve dont la notoriété dépasse les frontières, a suivi et interrogé ses dignes représentants. Jetzt was nächstes macht, was sie vorhaben mit euch? Ja, ich glaube, wir kriegen Fell, also Fell, und wir kriegen die Schläuche oder wir kriegen Felgen statt den Rädern drauf und dann müssen wir über diese Stahlseile hinüberfahren. Und wenn du das siehst da, dann vergeht mir alles. Nein, ich glaube, es wird nicht so schlimm sein. Cet exercice exige la plus grande dextérité. Sur ces câbles, arrimés par des guides de haute montagne, les funambules retiennent leur souffle. Les copains sont là qui attendent et chacun des Jacadiens se doit de contenir ses frayeurs et ne laisser transpirer le moindre rictus d'inquiétude. Ça fait drôle quand on voit le vide dessous. Ça fait bizarre quoi. On a peur de tomber. Ça va quand il y aura
Des pistes jalonnées de pierres et de poussière, des efforts physiques et intellectuels hors du commun, aboutissent chaque soir à une nouvelle nuit partagée dans les conditions du bivouac. Robin, Antoine, Ricardo, Jessica, Alice et Nathalie se retrouvent sous une tente pour partager ce qu'il reste de leur journée, en attendant des lendemains plus exigeants encore. Paris-Dakar, Paris. Et ici, tu retrouves un peu cette ambiance? Ouais, c'est une ambiance très forte, beaucoup d'amitié. Ouais, c'est génial. Tout est génial. Ça roule de mieux en mieux. Là, on fait la piste. Ça devient de plus en plus sablonneux. Il faut qu'on conduise juste, qu'on fasse attention aux autres. C'est pas de la rigolade. C'est quelque chose de nouveau parce que j'ai déjà été au Portugal, mais juste comme visiteur, etc. Tandis que là, aller sur les pistes un peu plus désertiques, voir. C'est un peu le désert ici et puis les routes sont superbes. Je peux pas expliquer comme paysage, on dirait un peu la savane. Là encore, ils ne se doutent pas un seul instant de ce qui les attend. L'aventure prend des formes de plus en plus inquiétantes dans des domaines que bien des adultes n'auraient pas le courage d'affronter. Mais chez les Jacadiens, refuser un obstacle n'est même pas imaginable. Se jeter ainsi dans un vide de plus de 80 mètres requiert une dose de témérité qui force l'admiration et nous laisse des regrets. Il dévale cette pente en toute sécurité, ce qui, lorsqu'on se trouve au sommet, est une bien mince consolation. Témoin, spectateur ou initiateur de cet exploit, nous sommes à la fois stupéfaits et quelque peu troublés. Car même si cette victoire est sans péril, leur triomphe n'est pas le moins du monde démuni de gloire. Cette chevauchée fantastique part à l'assaut de toutes les contraintes que les adultes ne savent pas toujours affronter.
Pourtant, quand le désir est plus fort que tout, la vie est si simple. Rien d'inaccessible, une explication pour tout. Bah, la panne, c'est la soupape qui est sortie de son logement. Et puis, bah, si elle était tombée dans le moteur, bah, fallait tout démonter, quoi. Puis là, ils ont eu de la chance, ils ont arrêté à temps. Puis ils ont remonté. Et c'est reparti. Le comportement, au guidon comme au volant, est significatif du comportement dans la vie. Rigueur, concentration, respect de la mécanique, des autres et donc de soi-même. Je regarde si tout le monde nous suit. On regarde la route aussi pour éviter les trous, les gros cailloux. On fait très attention dans les montées pour pas que la voiture cale. C'est bien qu'on l'aille parce qu'il nous aide beaucoup et il nous dit toujours là, tu vas devoir être en première pour une grande montée. Tu peux passer en deuxième. Petite difficulté à droite, attention, va plus doucement. Donc il nous aide beaucoup et puisqu'il peut, il peut voir plutôt que nous, on ne peut pas se pencher, autrement on va faire un écart. On nous a largués avec une voiture. On devait faire du repérage pendant 3-4 km. Là, on a fait un arrêt, on est reparti jusqu'à l'épreuve physique et accessoirement le pique-nique. Les garçons ont plutôt tendance à ne pas se faire oublier, alors bon, il faut bien se défendre. Il ne faut pas oublier qu'on est là, quoi. J'aime beaucoup la moto, franchement, c'est ma passion. J'aime beaucoup ça, j'aime bien la vitesse aussi, j'aime bien les montées, les descentes. J'aime bien ce qui est les sports d'action. Les jours passent et plus les liens affectifs se nouent. La confiance succède à l'angoisse et la condition physique s'affûte peu à peu. Le dépassement de soi, encore et toujours. Jules Ferry a démocratisé l'école, BN et Jacadi ont permis cette expérience un peu folle. Sans tableau noir, sans manuel scolaire et surtout sans mot d'absence, cette aventure peu banale mérite le label d'éducation nationale ou plus exactement internationale. Et si l'on en croit sa définition, la pédagogie est la science de l'éducation des enfants et le pédagogue une personne qui a le sens et le don de l'éducation. Dans le BN Jacadi Trophy, tout y est, chacun est à sa place et cet enseignement-là est entièrement gratuit. Une tête bien faite dans un corps sain. On est parti à l'épreuve physique avec une montée en courant, un tire-lien sur un guidon. Un pont de singe et une corde à nœuds. On est reparti et là il a recommencé à pleuvoir et là ça fait des embrouilles parce que ça fait patiner, ça fait tout salir, après ça on est trempé et c'est pas trop sympa. Et tu vas repartir Demain parce que ce soir je repartirai pas, non. Thank you.
Les plages de l'Algarve accueillent de nouveau les Jacadiens 6 jours après qu'ils les aient quittés. Même l'océan est agité et rythme entre sac et ressac l'arrivée de jeunes pilotes transformés ou bien alors de jeunes adultes en devenir. 3 d'entre eux, particulièrement remarqués pour leur performance, ressortiront du groupe pour obtenir une récompense. Mais chacun se verra récompensé de ses efforts et sa ténacité. L'arrivée sur une plage, comme pour les grands des aventures passées et à venir, symbolise la transformation dont ils sont à la fois les acteurs et les principaux bénéficiaires. De cette aventure, ces enfants dégagent une certaine fierté. Notre monde à nous est plongé dans le doute car une question nous revient sans cesse à l'esprit. Laquelle des 2 générations s'est enrichie au contact de l'autre? Probablement les 2. J'arrive là après.